Comment apprendre l'anglais rapidement et facilement Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormont, votre coach pour passer au niveau supérieur. Et dans une vidéo, je vous ai parlé de l'anglais comme une ressource très importante en matière de développement personnel pour aller chercher justement à la source tout ce qui va vous permettre d'aller au niveau supérieur et de travailler sur vous. J'ai la chance d'en ai parlé d'avoir Bertrand Migné avec moi. Bonjour Bertrand. Ça va Alex Comment tu vas Ça va, hyper bien. Super. Alors. Tu as créé une méthode grâce à tes compétences également en hypnose Notamment. qui permet justement d'apprendre l'anglais rapidement, facilement et surtout de manière ludique. Complètement. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement oui, aux sûr. personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, mais je pense que tu es quand même très connu euh, Est-ce que tu peux te présenter et aussi du coup, euh, comment tu es venu ce projet de Fast and Fluent Oui. Alors ben, en fait, c'est simple. Moi, à la base, les langues, ça a toujours, enfin en tout cas, ça a commencé avec des histoires de femmes. Ah, voilà, ah, ça c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est <laughs> voilà comme quoi tu vois les chaînes se recoupent, <laughs> se rencontrent, voilà, parce que moi à la base la, la première langue que j'ai apprise hors école, c'était euh, pour euh, ben, simplement me lier encore plus avec une, une femme qui était tunisienne avec qui je sortais depuis quelques mois et j'avais vraiment envie de faire ce pas vers elle et donc j'ai tenté d'apprendre, ça a été une catastrophe. Euh, okay. Je me suis votré, euh, j'avais pas de méthode, pas de technique, rien du tout. Enfin bon voilà et donc. Ben, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai continué ma vie, mais ma vie en, en bon français, euh, bien français, c'est-à-dire bien chez lui, qui bougeait pas trop. Et en fait, j'ai développé, parce que petit, je voyageais pas non plus beaucoup, j'ai développé ce goût vers l'aventure, vers l'international, etc. Et tant est si bien que j'ai commencé un petit peu à voyager, en essayant ben, d'améliorer un peu mon anglais cassé. Mm -hmm. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que à 30 ans, j'ai rencontré une autre femme une Iranienne, et, euh, et là c'était euh, ben, l'aventure du persan pour moi, sauf qu'entre-temps ben, j'avais appris plein de choses, j'avais appris l'hypnose, j'étais devenu formateur pro, donc j'avais beaucoup travaillé sur comment les gens apprennent. L'organisation finalement L'organisation, mais aussi le cerveau, comment ça marche, comment est-ce qu'on fait pour mémoriser des choses, enfin bref, j'avais beaucoup travaillé sur ces choses-là pour moi en tant qu'enseignant euh, que et aussi pour moi en tant qu'apprenant. Donc forcément, quand j'ai voulu apprendre cette langue-là, je me suis dit je vais pas du tout faire comme l'autre. Là, j'y suis allé fort de méthode, de technique et d'approche, pas autour des langues spécifiquement, mais j'ai commencé à bricoler tout ça. J'ai appris un petit peu. Ben, en, en gros, j'ai construit la méthode en apprenant la langue. Et en fait, les résultats, ce n'est pas tellement moi qui les ai ressentis. C'est quand j'ai commencé à parler avec ma compagne, avec sa famille. Et puis, quand je suis allé en Iran ensuite et que je disais aux gens, mais là, ça fait trois, quatre mois que j'ai je, 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 commencé. Les gens vont les regarder avec des yeux comme ça en disant Ah ouais Et là j'ai commencé à me dire Ouais là je tiens un truc apparemment puisque moi ça m'a absolument pas paru compliqué. Parce que j'ai envie de dire Apprendre l'anglais c'est compliqué mais on a quand même des bases on est, on est dans le moule de l'anglais. Bien sûr. Mais là le persan c'est quand même différent. autre chose. C'est ça. C'est-à-dire que même en lisant, enfin surtout en lisant d'ailleurs, il n'y a pas de racines communes, il y en a très peu des racines communes donc il faut faire un travail complètement différent en termes de mémoire. Et donc voilà comment j'en suis arrivé à créer Fast and Fluent en, en fait en méta regardant et en, et en mettant à plat tout ce que j'avais utilisé pour apprendre le persan. Super. Et du coup par rapport à tout cela, en fait je sais qu'il en est né une méthode, ouais. quelque chose de très spécial, ouais. spécifique. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir m'en servir aussi également, des petites astuces, mais en fait des petites astuces qui font toute la différence. Ouais, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'est la méthode Fast and Fluent Ouais, la méthode Fast and Fluent en fait c'est... Il y a, il y a deux, grands, euh, deux grandes approches. La première, c'est le language hacking, c'est-à-dire ça, c'est fait pour tous ceux qui veulent être opérationnels très rapidement. Parce qu'on va dire que dans les langues, il y a deux grandes familles. Il y a les, on va dire les débrouillards et les puristes. Et le principe de Fast and Friends, c'était dans un premier temps de s'occuper des débrouillards, ceux qui veulent être opérationnels, souvent à l'oral très rapidement, qui euh, sont un peu casse-cou, qui n'ont pas peur de faire des erreurs. Et donc là, ben là le principe, c'était de se dire comment on va directement à ce qu'on veut apprendre. Donc, on commence par déjà clairement définir son objectif de travail, le niveau qu'on veut atteindre, à bien le circonscrire en termes d'apprentissage, et ensuite on va directement là-dedans. Ça veut dire qu'on fait pas de grammaire, ça veut dire qu'on fait pas de conjugaison, de déclinaison de quoi que ce soit. Simplement, on va travailler à partir de la mémoire uniquement, parce que contrairement à ce qu'on pense, nous, quand on parle français, on ne parle pas français en, grammaticalement euh, en suivant des règles. On parle français parce que simplement, nos, la grammaire, on l'applique. À la mémoire oui parce qu'on l'a dans notre bah parce que un... nous une phrase si moi je te dis euh, j'ai vu la chien qui euh, mange euh, dans le rue tu vas as, dans ta tête ça ça, ça as envie de saigner des oreilles parce que les phrases ton cerveau il se souvient et c'est pas parce que tu t'es dit mais attends c'est euh, mais n'importe quoi c'est du féminin donc l'article défini avant ça doit être là <laughs> pas du tout personne ne pense ça et donc le problème c'est que souvent les, les langues on les aborde comme ça. Donc là, on fait tout à l'envers, on travaille sur la mémoire et donc, dans un premier temps, on va muscler beaucoup la mémoire, on va apprendre des méthodes qui permettent de mémoriser très, très vite beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, on va les ancrer avec des principes de, de mise en application très précis que j'ai créés, ce que j'appelle des missions. Et l'ensemble de ce petit travail avec une mémoire bien musclée de mémorisation et de mise en application directe, ça permet des résultats extraordinaires. Alors, je racontais le dernier que j'ai eu en date, avant de partir en Serbie cet été dix jours de serbe et quand je suis arrivé en serbie je pouvais parler, commander au restaurant, comprendre des conversations sur des choses usuelles, euh, j'ai pu aller faire mes courses. Enfin, vraiment, j'ai pu euh, survivre largement en Serbie juste avec 10 jours de travail. Quoi. Et pareil pour le serbe en fait, c'est une langue qui est très complexe à l'origine. <laughs> oui, oui. C'est pas comme l'espagnol qui est très proche tôt. ou l'italien qu'on peut effectivement reconnaître un petit peu. alors euh, pas du tout. Là, ça n'a rien à voir. Ouais. À l'intonation de voix. Super. Merci beaucoup. Alors, on parle de language hacking. Mm. Quel est le next step en fait Le language mastering. Language mastering. Ouais, là, le language mastering, on est dans une Approche totalement différente. Là, le but, c'est plus simplement d'être opérationnel, c'est d'atteindre l'excellence. Et c'est-à-dire, euh, le language mastering, on pourrait le faire avec sa langue maternelle, parce qu'aujourd'hui, personne n'est un vrai dans maîtrise totale de sa langue maternelle. Si on reprend la vidéo qu'on vient de faire là, on a tous les deux fait des erreurs en parlant, des erreurs communes, des erreurs de natif, mais des erreurs quand même mine de rien. Effectivement. Et donc, le language mastering, c'est le principe. En fait, là, on va travailler de façon sniper. C'est-à-dire qu'on ne va plus travailler de façon mélangée avec tout, on va travailler compétence par compétence, mois par mois. Par exemple, ce mois-ci, je vais décider de ne travailler que sur un point particulier, par exemple, la fluidité dans mon expression orale. Et pendant un mois, je ne vais faire que ça. Et là, j'ai créé plus de 500 exercices avec des experts dans plein de domaines pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Exemple, pour tout ce qui est travail de compréhension orale, j'ai travaillé avec... Donc là pour le coup avec en tant que moi en tant qu'hypno, mais j'ai travaillé aussi avec un orthophoniste pour qu'il m'aide à, à comprendre comment ça fonctionnait et qu'on mette en place des exercices pour les gens. Euh, sur le travail par exemple de l'accent, la, j'ai travaillé avec un acteur chanteur qui m'a donné des exercices d'acteur et de chanteur pour améliorer son accent. Et ça je l'ai fait dans toutes les, les compétences des langues pour pouvoir faire en sorte d'avoir des trucs. Décalé, marrant et en même temps extrêmement performant pour booster son niveau de langue à un niveau ben, sans limite en fait. D'accord. Et si j'étais un visiteur, un prospect, ouais. moi qui ne connais pas du tout ta formation, Bien sûr. si je l'ai pratiquée, je me poserais la question de savoir, ah mais quand même ça va prendre du temps finalement. Tu as dit 10 jours par rapport à la Serbie, mais avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de Fast Fluent, concrètement en combien de temps tu penses qu'on peut, je dirais pas apprendre parce que ce serait utopique, mais maîtriser une langue Alors pour moi aujourd'hui, la promesse que je fais, c'est si on se dégage un temps régulier, allez, on va dire euh, entre une demi-heure et une heure par jour, et c'est très faisable. Après, il y a plein de techniques pour ça. Pour moi, en trois mois, on peut être opérationnel dans une langue. Ça veut dire que quand je parle d'être opérationnel, euh, je peux parler, avoir des conversations fluides. Là, tu vois, là, je pourrais pas avoir le même niveau de précision face à une caméra, mais je pourrais déjà te parler de la même chose. Avec évidemment beaucoup plus de périphrases, beaucoup plus de phrases simples, mais je pourrais à peu près te parler de la même chose. On pourrait avoir une conversation dans laquelle je n'ai pas de te faire répéter toutes les, toutes les trois phrases. Donc une conversation normale. Ça, pour moi, c'est trois mois de travail. Alors après, évidemment, ça dépend de trois facteurs. Le premier facteur, c'est un, quel temps tu es prêt à y donner. Parce ouais. que si, si tu ne dis mais pas, et moi j'ai plein de gens qui me disent ouais, ouais, mais je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir le faire. Ils ne le font pas. C'est pas grave, c'est juste que ça prendra plus de temps. Le deuxième facteur, c'est. Quelle est la langue que tu vises Parce que évidemment, viser l'espagnol, ça va beaucoup plus vite que viser le, Alors, le japonais. C'est pas encore un bon exemple, mais le mandarin, hein, par exemple. Ouais. C'est pas que c'est plus difficile, c'est que dans un premier temps, il faut il faut apprendre à changer son esprit. C'est une gymnastique en fait, complètement, à avec son complètement. Bien sûr. Et c'est pour ça que le troisième, le troisième item, le troisième truc qui va faire tout, c'est quelle habitude vous avez des langues étrangères. Et si vous avez déjà une habitude des langues étrangères, en parler une autre, même si elle est totalement différente, on a pris cette habitude de switcher dans son cerveau. C'est une sensation très particulière. Qu'on peut réappliquer. C'est-à-dire, par exemple, on a appris l'habitude d'accepter de ne pas tout comprendre quand on nous parle, mais de comprendre suffisamment pour pouvoir répondre. Ça, c'est une gymnastique qu'on peut réappliquer à n'importe quelle langue. Quand on ne l'a jamais vécu au départ, on a envie de tout comprendre, donc dès qu'on ne comprend rien, on est perdu. J'appelle ça le parasitage mental. C'est-à-dire que les gens, au premier mot qu'ils ne comprennent pas, ils font Oh mon Dieu, je n'ai pas compris. Dans leur tête, évidemment. Ça donne. Oh mon Dieu, je n'ai pas compris. Oh mon Dieu, mais je vais rien comprendre. Oh là là. Non. Et en fait, pendant qu'ils se disent ça, ils écoutent plus que l'autre raconte. Ce qui fait qu'en fait, ils sont déjà C'est un cercle perdu. vicieux. Finalement. Absolument. Ça c'est dingue. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, le fait d'avoir passé ces caps là fait que quand je leur fais avec une deuxième, une troisième, une quatrième langue, c'est vachement sûr. plus simple. Bien sûr. Et je me souviens quand je me suis installé aux USA il y a un peu moins de deux ans maintenant. Euh, en fait, j'avais justement cette appréhension et du coup, j'étais bloqué et bloqué et bloqué. Et j'ai juste envie de vous dire une chose, prenez du plaisir en fait. Je pense que prendre du plaisir, c'est un prérequis important pour apprendre une langue finalement. Euh, Bertrand, du coup, euh, comment on fait pour découvrir ces formations Si ouais. on a envie d'aller plus loin, euh, quelle est la meilleure ressource finalement pour euh, bah, te joindre ou aller sur Fast Fluent bah, Il y a le blog déjà Fast Fluent, donc euh, fa euh, voilà, fastandfluent.com. Je mettrai euh, l'adresse voilà. juste en dessous. Absolument. Et alors, pour moi, c'est important. Y a, souvent, les gens me disent Mais il n'y a pas d'accès direct à tes formations. Dans euh, les grosses formations, il n'y a pas d'accès direct parce que moi, j'ai un truc qui me tient à cœur c'est que je ne veux pas de touristes dans mes formations. Je veux des gens qui ont compris et vécu un peu l'état le, le, d'esprit et l'approche particulière. Parce que j'ai des gens, des fois, qui s'inscrivent et puis qui, après, me recontactent en disant euh, Ouais, mais ils sont où les exercices de grammaire Je te passe mon temps à te dire qu'il n'y a pas d'exercice de grammaire et tu cherches des exercices de grammaire il ben y en a pas. Et donc, alors il y en a, mais dans un second temps, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc, dans un premier temps, c'est normal s'il n'y a pas d'accès direct parce que je préfère faire passer les gens par euh, des vidéos qui vont justement leur permettre de comprendre dans quel état d'esprit on va aborder la langue. Et comme ça, chacun sait si ça lui correspond ou pas. Je n'ai pas la prétention de dire que ma méthode correspond à tout le monde, pas du tout. Par contre, ceux à qui elle correspond, alors là, pour le coup, eux, ils ont des résultats extraordinaires. Donc, ben, simplement, le blog Fast Influent, prendre de l'information et puis se laisser amener de vidéo en vidéo. Et puis, d'un seul coup, hop, ben voilà, de temps en temps, une formation s'ouvre pendant quelques jours, on peut s'y inscrire. Et là, il faut sauter sur l'occasion, tout simplement. Du coup, je vais vous mettre le lien juste en dessous. J'apprécie vraiment cette philosophie parce que c'est un petit peu la même quand on réalise nos vidéos avec Rachid, qui est mon partenaire, tu t'a rencontré juste avant, tout à justement. Fait. Euh, donc, lui, il est marrant parce qu'il est avocat, il a une vision très, très carrée, et nous, on est un petit peu plus, euh, plus fun, on va dire. <laughs> Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, en fait, la... vous pouvez acheter la meilleure formation du monde, ça va être aussi votre implication, donc il faut que vous soyez en accord avec la philosophie. Donc allez sur Fast Fluent, profitez de ce que j'appelle coaching gratuit, finalement, parce que c'est des vraies capsules vidéo qui sont importantes et intéressantes. Euh, dernière question avant qu'on conclue ensemble. Euh, on a parlé de l'anglais, hum. mais je suppose, je, je, je suppose pas, j'ai vu sur Fast Fluent qu'il y avait d'autres langues quand même. En fait, Fast Fluent s'applique à toutes les, les langues. langues. Et en gros, il faut, dans les langues, il faut séparer deux choses le, le contenu d'une langue et la méthodologie pour l'apprendre. À la base, Fast and Friends, ce n'était que la méthodologie pour apprendre les langues. J'ai eu des demandes, etc. Donc, j'ai aussi mis du contenu linguistique, mm -hmm. donc c'est-à-dire de la conjugaison, du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation. Mm -hmm. Donc, ça, je l'ai rajouté. Et donc, maintenant, ça, c'est disponible dans aujourd'hui 11 langues, mais j'en ajoute à peu près 4 à 5 par an. D'accord. Voilà. Mais par contre, la méthodologie, elle, elle s'applique à n'importe quelle langue. langue. Absolument. Ça pourrait même être une méthodologie qui, finalement, s'apparente à du développement personnel aussi. Tout à fait. Ok, Tout à fait. ça peut donner confiance, ça peut même donner de l'envie d'aller faire des vidéos, de parler en public. Ah, c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Absolument. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment, ce n'est pas l'apprentissage euh, scolaire de l'anglais, euh, moi, ça ne me convenait pas cet apprentissage scolaire. J'avais besoin de quelque chose de plus fun, de plus dynamique. Et c'est là où, avec Fast and Fluent, finalement, on s'en sort très bien. Et ça mêle justement, comme tu pratiques énormément, en, tout cas, en tant que formateur, l'hypnose. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui prend son sens, je pense, pour les personnes qui me suivent en général, parce que ça, ça vraiment, ça m'a touché personnellement. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à toi, Alexandre. Merci pour ton temps, je sais qu'il est très ouais, précieux, ouais. vraiment. Et puis, on se retrouve bientôt, peut-être à Miami pour faire des prochaines vidéos. Ça. J'ai une revanche à prendre, effectivement. <laughs> Je... On vous la racontera <laughs> la petite histoire la prochaine fois avec plaisir. Carrément. C'est une petite question pièce. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à toi. À Alex. bientôt, les amis. Ciao. Ciao.